Cette vidéo s'adresse à vous si vous voulez devenir consultant freelance et vendre des produits ou services haut de gamme, mais que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre parce que peut-être que vous êtes dans un domaine différent pour le moment. Vous venez d'un domaine différent, ou peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle, ou peut-être qu'actuellement vous êtes déjà dans le domaine du conseil, de la relation d'aide, mais vous voulez apprendre à devenir consultant freelance, vendre des produits, des prestations de produits ou services haut de gamme. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 stratégies puissantes qui vous aideront à la fin de cette vidéo à pouvoir transformer votre façon de penser les choses, mais surtout de pouvoir appliquer pour obtenir ce résultat que vous recherchez. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler donc cette approche puissante, ces deux approches et celle que je vous recommanderais pour devenir consultant freelance et de pouvoir créer de la valeur ajoutée, vendre des produits ou services haut de gamme. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage de nombreux conseils et pour ne pas les manquer, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes peut-être déjà dans le domaine du conseil ou pas encore, vous souhaitez vous lancer, je vais vous montrer ces stratégies puissantes. Et je voudrais tout d'abord faire un point important, vous partager un point important en disant quand je parle de consultant freelance, ces stratégies peuvent s'appliquer si vous êtes dans le coaching, si vous êtes dans le monde de la transformation également, que vous avez surtout un produit ou un service qui fait la différence dans la vie, dans le business des autres. Il y a deux approches lorsqu'on veut devenir consultant. Il y a l'ancienne approche, l'approche plus traditionnelle, et puis la nouvelle approche, la nouvelle voie plus audacieuse. L'ancienne approche plus traditionnelle, c'est celle qui dit on va suivre un cursus scolaire traditionnel pour devenir consultant et ensuite on attendra de nombreuses années. Parce qu'avant d'être consultant, il faut bien évidemment avoir des dizaines et des dizaines d'années d'expérience. Il faut donc finalement attendre assez longtemps avant de devenir consultant dans cette voie plus traditionnelle et même à la fin, lorsqu'on l'est, ne pas gagner sa vie comme on le mériterait. Et puis la nouvelle voie, la nouvelle approche qui est beaucoup plus audacieuse et courageuse, qui demande de choisir un chemin différent qui vous permet d'arriver rapidement sur le toit de votre marché, au sommet de votre marché, en suivant des chemins rapides et non pas sauter et brûler les étapes, simplement prendre des accélérateurs et des raccourcis. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on choisit une ou l'autre? C'est en fonction de trois éléments. Premier élément, c'est son niveau de connaissance. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on peut, par exemple, suivre une approche rapide pour accélérer. On ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, évidemment, comme on n'a pas ces informations, on ne sait même pas que ça existe, ces possibilités, cette nouvelle voie, on reste dans un schéma traditionnel. On rêve de devenir consultant, mais on suit un chemin traditionnel qui est long. Deuxième chose, c'est son niveau de confiance en soi. Un manque de niveau de confiance en soi fait qu'on se dit je ne serais peut-être pas capable d'être consultant et de partager une expertise à d'autres personnes, peut-être des personnes qui ont également des choses à dire, à partager sur le sujet. Je ne suis pas sûr d'être capable d'avoir les épaules assez solides pour pouvoir y être et le faire maintenant. Et puis, troisième élément de réponse, c'est de se dire l'image de soi ou son estime de soi qui est assez faible. En se disant, je ne suis pas crédible, je ne suis pas légitime. Ce fameux complexe du succès ou le syndrome de l'imposteur où on se dit, pour être consultant, il faut que j'attende de nombreuses années d'avoir l'aval de mes pairs, d'avoir l'aval de mes confrères, d'avoir l'aval de tout le monde autour de moi pour me dire, oui, enfin, après ces nombreuses années d'études, de loyer au service, d'expérience, d'expertise, tu peux enfin devenir consultant. Sachez une seule chose, si jamais aujourd'hui vous arriviez à éliminer ces trois blocages, la voie serait totalement libre pour la nouvelle voie. La voie audacieuse, la voie ambitieuse, la voie qui vous emmène au sommet de votre industrie, dans votre thématique. Alors maintenant, vous me direz, Zico, concrètement, comment faire? Si je veux suivre cette nouvelle voie audacieuse, cette nouvelle voie vers ce consultant qui va rapidement ici au sommet de son marché sans avoir besoin d'attendre toutes ces années, qu'est-ce que je dois savoir? Première des stratégies à faire, c'est simple, c'est un, premièrement, identifier tous les éléments dans lesquels vous êtes doué, dans lesquels vous avez des talents, dans lesquels vous avez des compétences présentes mais également futures. Quelle est votre zone de génie? Dans quoi êtes-vous doué? Qu'est-ce que vous savez faire peut-être mieux que les autres ou plus rapidement que les autres, plus facilement que les autres, plus simplement que les autres? Regardez autour de vous, pour quelles raisons vous appelle-t-on? Votre entourage fait appel à vous, pourquoi comme type de service, quoi comme type d'expertise? Lorsque vous identifiez ça, vous commencerez comme ça à savoir dans quel point vous pourriez regarder la suite. Avant de savoir, il faut regarder la suite, mais déjà répondre à ces questions vous permettre de savoir quels sont ces dons de génie. Je vous invite donc à appuyer sur pause maintenant et à répondre dans les commentaires. Ici, quel est ce don de génie, cet élément, cette compétence pour laquelle aujourd'hui vous êtes doué? C'est peut-être la vidéo, c'est peut-être la prise de parole en public, c'est peut-être le business, c'est peut-être l'organisation, c'est peut-être aider les autres, écouter dans tel domaine, les aider à dépasser une situation donnée de leur vie ou de leur business, quelle que soit cette chose que vous faites aujourd'hui, probablement spontanément, naturellement, simplement, facilement ou rapidement, notez-le, indiquez-le maintenant ici au bas de cette vidéo.
Lorsque vous avez identifié tous ces domaines de compétences, de talents, de génie, vous devez ensuite transformer chacune de ces réponses en promesses de résultats, en promesses de transformation. Imaginez si vous êtes dit « moi je suis doué dans le design, dans le graphisme ». Là maintenant, vous pouvez transformer une promesse en disant « j'aide par exemple ou je peux aider les personnes X, enfin je peux aider les personnes à atteindre tel type de résultat. Je peux les aider par exemple à transformer leur site internet qui est affreux en un site internet qui présente bien et qui augmente les ventes et les conversions pour leur business. » Donc vous prenez une compétence, un domaine de génie que vous transformez ensuite en promesse de résultat. Promesse de résultat. Et ça, faites-le pour chacune de vos réponses. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore défini la meilleure des réponses. Et même si vous êtes en activité, peut-être que l'activité actuellement dans laquelle vous exercez n'est pas encore votre zone de génie. Faites cet exercice, vous prenez, transformez chacune des réponses. Je vous invite à le faire maintenant en commentaire. Prenez une des réponses, la première, et notez le résultat que vous aidez vos clients, vous pourriez aider les clients à faire. Ici, simplement en notant ici au bas de cette vidéo. Lorsque vous avez trouvé cette deuxième stratégie, la troisième stratégie, c'est cette fois-ci d'identifier un marché qui pourrait donc avoir besoin de cette compétence. En tout cas, pas de cette compétence simplement, mais aussi des résultats qu'apporte cette compétence. Donc, quel est le marché qui pourrait avoir besoin de la réponse que vous avez trouvée à la stratégie numéro 2? Si vous avez dit « j'aide les personnes, par exemple X », vous n'aviez pas encore trouvé la personne, à mettre en forme leur site internet avec une visibilité, un visuel impactant qui leur permet d'augmenter leur vente. Et cette fois-ci, quand vous identifiez le marché, vous pourriez vous dire « mais quel est le marché qui en a besoin ?» Peut-être que le marché des entrepreneurs dans tel domaine, par exemple. Ou alors non, je peux peut-être m'adresser aux femmes dans tel type de profession, des types d'activités qui pourraient être dans telle situation de vie, par exemple. Donc vous voyez là, on va commencer à identifier un marché. Ça, c'est le troisième point. Ensuite, la quatrième stratégie, une fois que vous avez trouvé le marché, il faut rentrer plus en détail dans ce marché. Dans ce marché, quel est le client type qui pourrait ici le plus bénéficier de cette compétence, de ce résultat? Parce que rappelez-vous, dans un marché, il peut y avoir plusieurs profils de clients. Si vous dites « mon marché, c'est le domaine médical », il peut y avoir un dentiste, vous pouvez y avoir un kiné, il peut y avoir un médecin, il peut y avoir différentes professions. Et là, qui? Est-ce que c'est plutôt la psychologue ou c'est peut-être le dentiste? Qui est justement la personne que cette promesse, cette transformation pourrait le mieux servir aujourd'hui, maintenant, au moment où vous suivez cette vidéo? Vous pouvez également sur cette chaîne, j'ai partagé d'autres vidéos dans lesquelles je montrais la liste des grands marchés best-sellers à profit dans lesquels vous pouvez ici regarder les grands, six grands marchés dans lesquels vous pouvez vous installer confortablement. Vous savez qu'il y a déjà des demandes, il y a déjà des besoins, il y a déjà des clients qui investissent beaucoup d'argent et regardez ici dans quel registre pourrait s'inscrire cette deuxième réponse ici que je viens de vous poser. Elle se trouve quelque part sur cette chaîne ou ici quelque part dans la description. Cinquième stratégie, une fois que vous avez trouvé ce persona, ce client idéal, mettez votre solution face à lui. Et là pour ça, vous devez donc créer une promesse, un message, créer une présence pour pouvoir l'attirer et créer un mécanisme de transformation. J'ai créé d'autres vidéos dans lesquelles évidemment je rentre plus en détail sur ce point qui est un point important, qui est un point que je n'aurai pas l'occasion de développer trop longuement dans cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. En revanche, vous pouvez découvrir sur cette même chaîne d'autres points qui vont en détail, qui vous offrent ces partages. Donc là, il vous faut, lorsque vous avez identifié, de mettre face à lui cette solution, cette promesse et de lui dire cette solution. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir la solution toute faite, toute terminée. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bureau, une infrastructure lourde en vous disant « j'ai besoin de personnel, j'ai besoin d'investir dans des bureaux, j'ai besoin de ci avant de commencer ». Non, sinon vous commencerez votre activité dans plusieurs années. Et c'est une belle, un beau prétexte pour procrastiner, pour remettre à plus tard. Non, l'avantage justement de devenir un consultant haut de gamme, c'est que vous pouvez échanger ce que vous savez rien qu'avec les mots, sans avoir besoin d'éléments. Vous pourriez, si vous aidez les gens même à distance, utiliser une connexion internet, une simple connexion Skype et votre ordinateur portable et votre expertise. C'est votre expertise qui compte. Vous n'avez pas besoin de la mettre sous un drap de couvert d'or. Vous pourrez le faire plus tard si vous le souhaitez. En revanche, ce qui est le plus important, c'est de vous focaliser pas sur vous, de mettre les plus gros artifices sur vous, mais sur votre client. Et votre client, la seule chose qui compte pour lui, c'est les résultats, la transformation que vous pouvez faire dans sa vie et dans son business. Donc là, pour cette étape-ci, vous avez donc ici, dans cette étape, mis en forme votre produit, votre solution et vous l'avez mis sous ses yeux. Sixième point ensuite, c'est améliorer votre expertise. Pensez donc à augmenter la valeur de votre offre, la valeur de votre transformation, la valeur de votre service, de ce que vous faites pour vos meilleurs clients. Et comment vous faites ça? C'est qu'en plein parcours, pendant que vous aidez vos clients, vous pouvez continuer à vous former.
continuez à investir. Investissez dans des coachings, investissez dans des accompagnements, des personnes qui sont déjà passées par là, qui ont trouvé des solutions à des questions que vous vous posez actuellement et demandez-leur simplement comment aller plus vite parce que vous avez déjà des clients qui sont là, qui vous font confiance, vous leur donnez le meilleur du meilleur. Et pour donner le meilleur du meilleur à vos clients pendant qu'ils vous font confiance, c'est de continuer à vous faire confiance, d'investir en vous, d'apprendre, de vous former en parallèle. Et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur et parfait et d'attendre d'être formé au plus haut sommet avant de commencer à aider vos clients. Parce que ce dont a besoin votre client, c'est la première étape. Et cette première étape, vous pouvez déjà la porter maintenant. Et puis enfin, septième point, célébrez chaque étape de votre parcours. Célébrez chaque étape de votre démarche pour pouvoir justement rendre votre enthousiasme contagieux. Parlez aux personnes qui sont autour de vous, qu'il s'agisse de vos clients, les premiers qui vous font confiance. Lorsque vous êtes dans un moment de célébration, ils le sentent parce que la joie, l'enthousiasme, c'est quelque chose qui est contagieux. Et que ce soit les personnes qui vous ont aidé, qui vous ont fait confiance, ou les personnes qui sont en train de vous accompagner, qui sont en train de vous accompagner dans ce parcours de transformation, ou les proches qui vous supportent, qui supportent ces moments où vous n'êtes pas toujours présent et actif dans les choses que vous devriez faire avec eux, ils investissent en vous. C'est votre parcours de transformation. Pensez donc à célébrer chaque étape de la transformation pour ne pas attendre un moment ultime plus tard en disant plus tard je serai heureux. Non, sois heureux maintenant pendant la démarche. Vous devenez consultant haut de gamme, expert. Vous vous formez, vous aidez les clients en même temps. Vous avancez avec confiance. Et en suivant ce schéma-là, vos clients vous diront merci, votre entourage vous dira merci. Et vous-même, la première personne, vous direz merci d'avoir écouté cette vidéo premièrement, mais surtout d'avoir appliqué à la fin de cette vidéo les conseils et les 7 stratégies que je viens de vous révéler. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous êtes dans le business de la transformation, vous souhaitez vous lancer à titre de consultant, peut-être même coach, peut-être même formateur, peut-être même expert dans un domaine en produit ou en service, apporter de la valeur ajoutée à vos meilleurs clients. Si vous voulez savoir comment nous attirons de parfaits inconnus pour les transformer en clients haut de gamme avec un modèle de business simplifié que vous pouvez utiliser dans votre domaine de consulting facilement et simplement, vendre des produits haut de gamme en moins d'une semaine, eh bien j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous pouvez participer à une présentation en ligne dans laquelle je vous montrerai exactement le système, comment on fonctionne dans les coulisses. Ça vous aidera pour votre activité de consultant à ne pas attendre des mois et des mois d'efforts bénévoles avant que ça fonctionne, mais de la faire fonctionner dès le démarrage. Le i comme info, vous pouvez cliquer dessus si vous êtes sur YouTube ou sur mobile, ou le lien est quelque part dans la description. Vous aurez également l'occasion de télécharger 2 documents, des outils de travail qu'on utilise en interne pour justement faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Il s'agit du parcours de l'entrepreneur prospère et de la pyramide de croissance à 7 chiffres. Vous pouvez les télécharger sur les mêmes liens qui sont ici présents. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment pour votre amitié, de votre engagement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire en poussant comme ça sur le j'aime, le pouce vers le haut, ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Pensez également à me dire ici au bas de cette vidéo en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent parmi ces 7 points, ces 7 conseils. Et puis également, si vous avez une question, dites-la moi au bas de cette vidéo, comment faites-vous vous-même, quelles sont les idées que vous avez pour devenir consultant, quelle est la première marche à suivre. Bref, j'ai besoin de connecter avec vous, j'ai envie de connecter avec vous et j'ai ce désir ardent de mieux vous connaître pour mieux vous servir. Dites-le moi au bas de cette vidéo et pensez également à partager cette vidéo à d'autres passionnés de liberté comme vous qui méritent d'en savoir davantage sur ce business de la transformation pour devenir des consultants haut de gamme, payés généreusement pour faire le travail qui fait battre leur cœur. Toute mon amitié, à très vite, c'était Zico Kiax, merci.